Salut tout le monde, c'est The Louis du 10 et aujourd'hui je vous présente une vidéo Les Sims 3 Super Pouvoir et je vous présente ma nouvelle famille. Et hop, et oui, voilà, je vous présente ma nouvelle famille. Donc voilà, je vous présente un peu ma nouvelle famille avec Kelly Duvent. Voilà, je vous présente Kelly Duvent. Voilà, elle est bien sûr. J'espère que vous allez bien quand même. Alors là, vous avez Kelly Duvent et Zena Duvent. Donc voilà, je vous présente la famille Duvent. Après, je vous présente Julie Duvent. Julie Duvent, et oui, Julie Duvent. Je vous la présente, c'est Julia Duvent. Et oui, c'est une adolescente. Voilà ma famille, je vous présente un peu ma famille. Je vous présente Talia Duvent. Eh oui, c'est ma nouvelle famille. Hein. Je vous présente Talia Duvent. Elle est ici, là. Voilà, je vous la présente. Talia Duvent. C'est ma nouvelle famille, bien sûr. Je vous la présente. Hein. Après, je vous présente Marlibelle. Marlibelle Duvent. Elle est là. Donc, je vous la présente. Voici la fille. C'est la famille Duvent. Marlibelle Duvent. Voilà. Marlibelle Duvent. Et la dernière, c'est Zena Duvent. Je vous présente Zena Duvent. Alors, Zena Duvent, elle est avec sa maman. Donc voilà, je vous ai présenté. Et puis, je vous présente le père, Stuart Duvent. Donc voilà, je vous présente ma nouvelle famille dans les Sims Super Pouvoir avec la présentation de ma nouvelle famille. Et voilà, Stuart Duvent. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, c'est pour vous présenter ma nouvelle famille hein, bien sûr. Donc je vous présente un peu ma nouvelle famille et je vais vous faire visiter un peu leur maison. Et oui, je vais vous présenter un peu leur maison. Et oui, je vous la présente leur maison. Déjà on va commencer par le rez-de-chaussée. Alors le rez-de-chaussée, je vais vous présenter déjà le dehors en première main. Alors le dehors, je vous présente le dehors. Alors en gros, on va soulever un peu les... Voilà, je vous présente le dehors. Là, ici, ils ont un garage. Et pour le moment, il n'y a pas de voiture. Là, il y a des trucs pour les vélos. Alors là, il n'y a pas de voiture, mais on va leur mettre ça tout de suite. Je vais leur mettre tout de suite des voitures. On va leur mettre des bagnoles. Donc, des véhicules. On va leur en mettre tout de suite. Hein, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur mettre comme véhicule? Donc, ils sont une, deux, trois. Ils sont plusieurs. Donc, on met deux voitures. Donc j'avais envie de vous présenter cette vidéo aujourd'hui, hein, une vidéo spéciale hein, bien sûr, comme toujours. Hein. Ça c'est pas un problème. Je vous présente un peu toutes les combinaisons de les Sims. Les Sims 3 super pouvoirs. Présentation de mes nouvelles familles, bien sûr. Je vous l'avais dit que j'allais vous présenter une nouvelle famille. Je vous avais dit ça, hein, bien sûr, il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit ça sur je sais plus quoi. Et voilà, je vous présente la nouvelle famille, hein, bien sûr. Oui, la famille Duvent, on va mettre une voiture là. Alors, voilà, une manuelle ici. Et puis, une autre voiture. Une voiture familiale, parce qu'ils sont, ils ont une famille. C'est une grande famille. Donc, on va essayer de trouver une voiture familiale. Il doit y avoir ça là-dedans, je pense. Alors, voilà, peut-être celle-là, encore la rigueur. Oui, celle-là, elle est pas mal. Mais je vais la prendre en bleu cette fois-ci. Ça serait bien. Voilà, la Tofa Tagon. Alors voilà, on a remis des voitures, c'est bon. Alors, maintenant, on va pouvoir jouer un peu avec nos Sims. On va pouvoir jouer un peu avec nos Sims, hein. C'est sûr, on va jouer un petit peu avec eux. Voilà, je vous ai présenté un peu tout le monde dans la famille Duvent. Et si vous voulez les avoir, vous les aurez. Il y aura les liens dans la description de mon store, bien sûr, hein, comme toujours, hein, bien sûr. Il y aura les liens dans la description. Hein. Voilà. Il y aura toujours les liens dans la description. Hein, pour pas changer. Hein. Ça, c'est tout le temps, hein, bien sûr. Les liens dans la description. C'est bien, quoi. Voilà la famille Duvent. Et oui, je vous l'avais dit que j'allais vous présenter une nouvelle famille. Donc, on monte un peu les jauges de vie. Pour pas qu'ils soient malades ou quoi. Donc, oui. Donc, on va pas s'emmerder, on va mettre tout de suite, on va désactiver les besoins et on sera tranquille, comme ça on n'aura plus besoin de remonter les jauges.
Donc voilà, on va jouer un petit peu avec la famille du vent. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, lui, ben, il est en train de se reposer. Oh, c'est très très sombre leur lumière. On va ajouter des lumières, hein, bien sûr, comme toujours, hein, c'est pas un problème. Alors, je disais, je vais vous présenter un peu l'intérieur de cette maison. Donc, on va aller déjà commencer par le bas. Alors, on va commencer par le bas. Alors là, je vous présente un salon. Bien sûr, un salon, hein, comme toujours, un salon, deux salons, un salon là, avec la cheminée, ici, là, super salon, bien sûr, un salon musique, avec un bar, et oui, bien sûr, un bar, ici, là, je vous présente un petit peu l'intérieur, mais on va mettre de la lumière, c'est très sombre, là, je vous présente la cuisine, salle à manger, bien sûr. Mais la cuisine salle à manger, je vais la ragrandir parce que ben la table n'est pas assez grande, il n'y a pas assez de chaises, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6 Sims, il faudrait que je mette une table de 6 chaises. Alors déjà, 6 chaises, donc il y en a 2 là. On verra ça après. Déjà, je vous présente quand même l'intérieur de la maison, bien sûr. Alors là, on a le salon. Super salon, muscule. C'est pas mal, bien sûr. Voilà, ici je vous présente un peu l'intérieur de dehors, mais là il n'y a pas grand chose. Ça, c'est on modifiera ça dans cette nouvelle maison, bien sûr. Hein, c'est leur nouvelle maison. Ici, on a encore un salon avec ici une salle de bain, bien sûr. Avec un salon, je vous présente un peu l'intérieur de la maison, bien sûr, comme toujours, hein, pour pas changer. Hein. Ça, c'est le problème. On a une piscine, je pense que ça va être ça, je ne sais pas, c'est pour faire beau, je sais pas. On a une autre salle de bain ici là. Moi je vous montre au premier étage. Alors premier étage, on a une salle de bain là. On a une chambre ici là. Je vous présente un peu la chambre, une autre salle de bain ici là. Je vous présente ici là aussi une autre chambre. Et oui, il y a plusieurs chambres, hein, tout à fait normal parce qu'ils sont plusieurs. Alors voilà, les maisons sont pas mal. Une autre chambre ici là. Je vous présente un peu quand même l'intérieur de cette belle maison. Hein. Il y a une, deux, trois chambres, hein, bien sûr. On a une autre salle de bain ici là. Un autre salon ici là. On voit pas trop grand chose, mais c'est pas grave. Et puis, je vous ai montré tout. Oui, je pense que c'est bon. Ici, on a un ordinateur. Donc, bah, je vous ai montré tout l'intérieur de la maison. Donc, je disais, on va mettre un peu de lumière. Alors, on va éclairer un peu avec de la lumière parce que c'est très sombre. On va ajouter de la lumière. Donc, tout de suite, on va faire ça. On va remettre des lumières pour que ça fasse plus classe quand même parce qu'on va laisser ça dans un mauvais état, bien sûr. Donc, ben, on va mettre des lumières. Alors, ici, on va mettre quoi? C'est quoi? Ça éclaire comment ça? Alors, on va mettre une là. On va mettre une là, parce que c'est pas assez clair comme maison, donc on va... Alors, dans les chambres, on va mettre d'autres lumières. Dans les chambres, on va mettre style de lumière. Oui, ça, ça serait pas mal, ça fera bien. Ça, ici, là. Une ici, là. Une ici, là. Et une... Une dans le coin, là, je pense, ça sera pas mal. Ici, là. On va en mettre une autre ici, là. Ouais, parce que c'est vraiment sombre dans cette maison. Donc une ici là. Voilà, ça sera pas mal. Hein. On va mettre ça ici là. On va remettre une ici là. Alors celle-là, c'est une chambre. Donc on va mettre une ici là et une autre ici là. Salle de bain. Alors pour la salle de bain, on va mettre quoi comme lumière? Pour la salle de bain, on va mettre celle-ci. Donc on va mettre une ici là. Ah, ça sera déjà mieux, voilà. Ça, ça serait pas mal. On va mettre celle-ci. Ouais, ça éclaire bien, très bien ça. On va mettre ça ici là. Mais sont très sombres, hein. Donc on va peut-être en mettre aussi un petit peu dans le couloir pour que ça éclaircisse un peu plus le couloir. Oui, ici là. Une ici là. Ouais, ça fera pas mal, hein. Ça changera un peu de couleur. On va mettre un peu partout des lumières. Une ici là. On va essayer de voir ça quand on peut faire. On va mettre ici là, une ici là. Voilà, une ici là. On peut pas, je crois, ici. Ouais, c'est mieux. Alors voilà. Donc, je vous fais tout le tour. On va éclairer un peu les pièces. Parce que les pièces sont sombres. Alors donc, on va éclairer un peu plus. Donc là, c'est bon.
Là, c'est fait, c'est impeccable. Donc là, c'est fait aussi. Il manque plus que ce petit bout de couloir. Ici, là. On va aller en bas. Parce qu'en bas aussi, c'est sombre. Donc on va éclairer avec des lumières en bas. On va voir ça tout de suite. On va mettre celle-ci, ça va peut-être éclairer un peu mieux. Ah, voilà, ça c'est excellent. On va mettre une ici, là. Une ici, là. Une ici, là. Ça c'est pour le dehors, extérieur, intérieur, extérieur. Hein, donc comme toujours, une ici, là. Et une ici, là. Donc, et une ici, là. On peut ici, pour éclairer plus les maisons, la maison. Parce que c'est vraiment sombre. On n'y voit que chi. Dans le salon là, alors on va mettre une autre lumière. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va mettre une lumière comme ça. On va voir si on peut, si ça peut le faire. Oui, c'est un peu sombre aussi, donc on va trouver un autre plus clair. On va essayer de trouver ça. Je dois voir ça quelque part là-dedans dans ma liste. Alors peut-être ça. Ça ferait pas mal, on va mettre une ici là, une ici là, une ici là, une ici là, ouais, parce que c'est vraiment sombre hein, dans cette maison. On va remettre une, on va essayer de trouver un peu si on peut. Voilà, une ici là, ici dans le bar, hein, vers le bar. Alors, vers le bar, on pourra en mettre une par-dessus, ça serait plus clair ici là, donc. C'est bon. Ah, la cuisine. Pour la cuisine, je vais mettre une autre lumière qui est pas mal. Un peu style comme ça. Et oui, ça serait. Non, c'est pas très beau, donc on va trouver autre chose. Peut-être celle-ci encore ailleurs. Oui, ça va aller un peu plus mieux. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. On va enlever celle-ci. Et ça ne demande pas. Et on va mettre celle-ci là dans le salon, donc voilà, ça fera bien. Donc je crois qu'on a éclairé toutes nos pièces, donc ben voilà, c'est bon hein, on a éclairé toutes les pièces, on va pouvoir jouer avec nos Sims maintenant. Donc on est parti, on va jouer un peu avec nos Sims. Donc voilà hein, comme toujours, j'espère que ma vidéo best-of vous a plu hein. C'est une ancienne vidéo, mais ça fait pas de mal de changer un peu de style vidéo. Alors là aujourd'hui je vous ai présenté un peu la nouvelle maison et la nouvelle famille bien sûr dans les Sims Super Pouvoir. Présentation de ma nouvelle famille. Et oui, hein, ça fait pas mal. Donc je vous présente un peu tout ce qu'il y a dans la famille. On va jouer un petit peu avec la famille. Donc lui, il est en repos. Donc la petite fille, oui, elle, on va aller lui mettre, on va lui faire choisir sa chambre. Voir ça tout de suite. Chambre enfant. Alors, on pourrait trouver ça où? Chambre enfant. Elle, je la mettrais bien ici. Aller dormir ici. Et puis elle, ici là. Donc oui, on va les faire dormir ici dans leur chambre respective, bien sûr. Kelly Duvent. Julie et Tila. Donc c'est bon. Alors, après, il y a Mirabelle. Mirabelle. Ça c'est qui? Mirabelle Duvent. Donc Mirabelle Duvent, on pourrait la mettre ici. Donc elle va aller dans son lit. Ici. Alors là, c'est une petite fille, c'est une bombin. On va essayer de lui trouver. On va lui mettre un lit, mais dans la chambre des parents. Voilà, j'ai une place ici, donc on va lui mettre un lit tout de suite dans la chambre des parents. Donc on va y trouver un lit hein, pour enfants, un lit pour bombin, bien sûr. Alors on va y trouver quoi? On va trouver un style. Lui c'est une fille, je mets très bien en cette couleur. Je sais pas si on peut avoir du rose. Je vais pouvoir voir. Voilà, un pec. Alors, la chambre, le lilas, on va le mettre où? Dans la chambre des parents, bien sûr. Hein, j'ai pas de place ailleurs, donc il faut que je trouve un endroit où mettre le lit de la fille des parents. Donc on va pas gêner ça. On va essayer de trouver une place. Bon, voilà, ça ici là. Et on va mettre le lit ici là. Donc je pense que oui, voilà, impeccable. Donc c'est bon. Voilà le lit pour les parents. La chambre des parents donc
est là, avec le lit de leur petite fille. Bon, ben. Donc, tout de suite, on joue avec nos Sims. Hein. Il n'y a pas de problème, comme toujours. Hein. C'est bien, les Sims. Hein. Sans ça, j'espère que vous allez bien, hein, bien sûr. Moi, ça va, hein, comme toujours, je vous présente. Et n'oubliez pas, très bientôt, sur ma chaîne secondaire, il y aura des vidéos de Warcraft. Et oui, Warcraft 3, la partie 1, donc je vous présenterai ça, hein, bien sûr. Si vous aimez ou vous aimez pas, il y aura une vidéo de Warcraft 1. Donc, dans tout ça, alors, dans ma famille, voyons voir, le père est détendu, donc, oui, c'est pas mal. On va voir ça tout de suite. Ben, je vous présenterai un peu la famille, hein, donc là, il y a Marlibel, hein, bien sûr, hein, c'est la petite fille, là, bon ben, elle s'appelle Zena, avec sa maman Kelly. Donc voilà, je vous ai présenté un peu toute la famille, hein, au complet, bien sûr. Et oui, c'est dans les Sims, hein, bien sûr, comme toujours. Et oui, hein, je vous ai présenté un peu ma nouvelle famille, donc j'espère que ça vous a plu, hein, donc... Je vais vous laisser sur cette vidéo, bien sûr. Comme toujours, mettez petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, comme toujours. Et je vous ferai une nouvelle vidéo de la famille du ventre et bientôt. Hein, il y aura des nouvelles vidéos. Donc, on verra ça. Donc, j'espère que, comme toujours, hein, mettez petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. Commentez mes vidéos. Essayez de vous abonner, bien sûr, si vous pouvez, bien sûr. Essayez de vous abonner, hein, ça serait bien. Parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous ai présenté la famille du vent, c'était Zaluis du 10 qui vous a présenté la famille du vent. Excusez-moi de dire en plusieurs fois, je me suis trompé, excusez-moi. Donc c'était Zaluis du 10 qui vous a présenté la famille du vent. Et je vous dis bye bye. Et on se quitte sur cette vidéo de la famille du vent. Woohoo!